Soul on the beat. Bienvenue dans la première vidéo de ton programme Afrobeat. Ok, donc dans cette vidéo, je vais commencer par me présenter d'abord. Peut-être que tu me connais, peut-être que tu as déjà quelques informations. Donc je vais ajouter encore plus d'informations à propos de moi. Alors, qui je suis? Mon nom c'est Paul Favor, jeune beatmaker entrepreneur. Ça fait déjà plusieurs années que je fais la musique. Et sincèrement, aujourd'hui, j'ai suivi plein de formations vidéo. Donc, et justement, quand j'ai commencé la musique, j'avais plein de difficultés, que ce soit dans qu'est-ce qu'il fallait choisir comme sonorité et tout, et les différents drums. Donc, j'avais plusieurs lacunes et je ne savais vraiment pas ce que faisaient les beatmakers professionnels dans leur studio. Donc, j'ai suivi plein de formations vidéo, j'ai rencontré plein de beatmakers professionnels dans le domaine qui sont vraiment personnalisés dans le beatmaking. Donc, et là, j'ai commencé à vraiment passer au niveau supérieur à travers ces formations vidéo, à travers les différents conseils que j'ai reçus de plein de beatmakers professionnels. Et aujourd'hui, j'ai déjà pas mal de connaissances que je partage à travers ma chaîne YouTube. Et pour ceux comme toi qui veulent passer au niveau supérieur, je propose des formations vidéo qui sont des programmes où je te dis fais ça, fais ça, fais ça, étape après étape, pour te permettre de pouvoir non seulement avoir les connaissances faciles et simples et les différentes stratégies utilisées par les beatmakers professionnels. Donc aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je compose des instrumentales pour plein d'artistes. Donc du coup, je vends déjà pas mal d'instrumentales à plein d'artistes de jour en jour. Et comme tu le constates, au travers de ma chaîne YouTube, il y a plein de personnes qui me contactent dans le monde entier. C'est ce qui est vraiment important. Donc ça aussi, c'est des stratégies que j'ai mis en place. Donc aujourd'hui, je vis pratiquement de ça, de mes formations vidéo, de mes instrumentales que je vends et des différents business que je fais en ligne. Parce qu'en dehors de la musique, j'ai plein de choses que je mène en parallèle. Le e-commerce et tout ce qui a lien avec le commerce en ligne. Donc je vais pas perdre de temps, je vais directement te présenter la formation. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans cette formation Afrobeat? Voilà, donc quels sont les différents objectifs à atteindre? La vidéo qui va suivre, ça sera une vidéo d'initiation au rythme Afrobeat. Donc dans cette vidéo, je vais te dire c'est quoi la particularité d'un beat Afrobeat. Je vais te partager pratiquement tout ce qu'il faut savoir avant de commencer même à faire un beat Afrobeat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer à composer, les différents instruments impératifs que tu dois choisir si tu veux faire de l'afro. Ensuite, je vais te montrer un peu les différents drum kits que j'utilise pour faire des afro, les drum kits offerts et les drum kits bien professionnels que j'offre à ceux qui suivent des formations accélérées. Voilà, donc et je vais te présenter aussi mes différents VST, quels sont les bons plugins. Donc, quels sont les bons plugins que tu vas devoir choisir si tu veux faire des beats afro de façon professionnelle. Ensuite, le module 2, si tu suis le programme en abonnement, le module 2 sera disponible à partir de la deuxième semaine. Donc, le module 2, la première vidéo, c'est une vidéo où on débute une composition afrobeat. Donc, dans cette vidéo, je te montre mes différents secrets, qu'est-ce que je fais faire une batterie professionnelle type afrobeat. Parce qu'il y a plusieurs types de batteries afrobeat. Donc, je vais te montrer quels sont les différents batteries afrobeat. Ensemble, on va faire plusieurs styles de batteries. Je vais te montrer les secrets des percussions afrobeat. Comment tu dois choisir tes percussions, quelle configuration tu dois faire à tes différentes percussions. Ensuite, la vidéo qui suit, c'est une vidéo de composition de mélodies afrobeat. Donc, dans cette vidéo, on va commencer à faire des mélodies. Tu vas voir comment c'est assez facile lorsque tu as des stratégies simples et efficaces. Donc, je vais te montrer mes secrets. Je vais te présenter les différents plugins que j'utilise. Ensemble, on va utiliser plein de guitares pour faire un beat afro. Donc, je vais te montrer les guitares électriques, comment tu peux disposer tes notes. Nous allons travailler sur le piano roll. Donc, c'est un outil de base d'FL Studio. Donc, si tu n'as pas de piano, ne t'inquiète pas. Si tu n'as aucun instrument, tout ce que tu auras besoin, ça sera ton PC et rien d'autre. Voilà, donc je vais te montrer les guitares acoustiques, quelle guitare je dois choisir, comment je dois les configurer. Je vais te montrer les balafons. Donc, ensemble, on va ajouter des balafons sur des guitares. Le balafon, c'est un instrument très essentiel si tu veux faire de l'afro. Voilà, donc c'est bon pour cette vidéo. Maintenant, dans la vidéo qui suit, la troisième semaine, maintenant la vidéo 1, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ensemble, on va faire un maximum de mélodies.
Donc, c'est une vidéo suite à la vidéo 2. Donc, on va faire des mélodies. Je vais te montrer comment tu peux accorder tes mélodies, comment tu peux facilement gérer les différents accords, comment tu peux faire les mélodies secondaires et tout ce qu'il y a en relation avec les accompagnements de mélodies. Voilà. Ensuite, la vidéo 2 de la troisième semaine, c'est une vidéo où je te montre comment tu peux débuter une structure d'un beat afrobeat. Donc, de façon simple, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois savoir impérativement si tu veux structurer un beat afro. Je vais te montrer mes différentes stratégies de structure. Là, tu vas faire des copier-coller. Si tu es un beat afro, tu vas voir comment ça sera assez facile. Maintenant, la semaine 4, la vidéo 1, c'est une vidéo de mix et de mastering. Donc, je vais te montrer comment tu peux faire un prémix. Un prémix, c'est quoi? Un prémix, en fait, c'est une stratégie, on va dire, c'est une méthode qui te permet de pouvoir d'abord gérer un mix avant le mix. Donc, grossièrement, un prémix te permet de pouvoir déjà avoir une idée de ce qui va se passer dans ton mix. Voilà, donc je vais te montrer mes secrets qui me permettent de pouvoir gagner en temps parce qu'en fait, l'objectif principal du prémix, c'est de te permettre de pouvoir gagner du temps. Pour facilement gérer ton mix après. Donc c'est ce qui va se passer dans cette vidéo là. Maintenant dans la vidéo 2, je vais te montrer comment tu peux terminer ton mix et ton mastering. Donc je vais te montrer de façon basique et simple comment tu peux mixer sur FL Studio et faire un bon mastering de base avec les éléments et VST de base d'FL Studio. Donc c'est tout. En bonus, qu'est-ce que tu as? Tu as une assistance personnelle de mon staff lorsque tu suis ce programme. Donc pendant la journée, tous les jours, soit moi, soit un membre de mon équipe va te répondre à tes différentes questions, 7 jours sur 7 pendant la semaine. Donc toutes les difficultés que tu vas rencontrer, nous serons à ta disposition pour répondre à tes différentes difficultés. Maintenant, tu auras accès à l'espace membre et au blog Jeune Beatmaker pour recevoir les astuces d'un groupe WhatsApp Afrobeat qui va te permettre de pouvoir partager tes différentes connaissances ou de recevoir les connaissances de plein d'autres beatmakers qui suivent ce programme. Ensuite, tu auras accès à vie, c'est-à-dire que lorsque tu intègres ce programme, impérativement, c'est à vie que tu pourras venir toujours consulter. C'est de nouvelles vidéos que tu pourras télécharger gratuitement parce que tu es déjà membre de ce programme. Donc, grossièrement, c'est tout ce que tu vas apprendre et bénéficier en suivant ce programme. Je t'invite à passer à la deuxième vidéo. Donc, et après, si tu es motivé à passer au niveau supérieur, il faudra suivre les vidéos qui vont suivre. Donc, sur ce, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao.